Le président ukrainien en visite dans la ville portuaire d'Odessa. Volodymyr Zelensky s'y est rendu afin d'évaluer les dégâts causés par les récentes frappes aériennes russes qui ont notamment ravagé dimanche la cathédrale de la Transfiguration. Depuis que la Russie a quitté l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, les villes portuaires sont directement menacées. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області і тут у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше, ніж російський терор. La région de Khmelnytsky, dans le centre-ouest de l'Ukraine, a été visée par des frappes aériennes russes massives au moins deux fois depuis mercredi. Kiev affirme que la cible était une base aérienne stratégique, mais plusieurs missiles et drones ont frappé des infrastructures civiles, y compris un cimetière local. À l'est, dans le Donbass, de violents combats se poursuivent. Jeudi, les troupes ukrainiennes ont déclaré avoir libéré le village de Staromayorské, dans la région de Donetsk, ainsi qu'avoir gagné du terrain près de Barmout, malgré les tirs massifs de la Russie. Le ministère russe de la Défense, de son côté, indique avoir repoussé 9 attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk.